Restaurateurs professionnels font leur habitude, leur matériel, etc., dans des conditions de kitchenette, de tubeur. Et ça, en leur mettant une équipe de particuliers très variés, de la MJC, du centre social, d'individus divers et variés. C'était pas évident que la mayonnaise, la sauce prenne. Ça a plutôt, a priori, bien marché. Ah, vu les ambiances dans la cuisine, oui, ça a bien marché. Et pourquoi 80 km? Pourquoi ils ont mis 80 km au niveau des produits? Pourquoi ça, pas ça fait déjà On est à moins. Les noisettes de Poyonnais. Regardez ça, c'est belles noisettes toutes fraîches, décortiquées à la main. Les choux de l'Arbrelle, le chou rouge de l'Arbrelle, bien connu, vous voyez. Très, très violet. Et le fameux petit marron de saison. Parce qu'on utilise bien sûr que des légumes de saison quand on cuisine local. À la cantine, on essaye de proposer aux élèves des laitages, de la viande qui vient du Rhône en fait. Puis on essaye de développer l'histoire bio. On a 20% de bio aussi dans notre cantine. On a fait des affiches. Et on a un éco-club. Et deux fois l'éco-label. Donc nous, on est à fond. En fait. Voilà, on y croit. Et par les élèves, ils suivent. Et puis ce qui est rigolo, c'est de cuisiner à plusieurs en fait. Moi, je suis tout seul dans la cuisine, enfin tout seul. J'ai ma collègue qui fait les desserts maison. Mais je suis tout seul à faire le plat du jour, quoi. Du coup, là, c'est plutôt agréable de... Ouais. Et puis sans stress, quoi. Comme on est dans les mondes du Lyonnais, on a essayé de prendre un maximum de choses de là-bas et si possible en bio. Et les pommes en l'occurrence, c'est Jean-François qui les a ramassées. Tout notre pommier. Voilà. Vaut mieux. Oui. Bon. Après, les légumes viennent de 500 grammes. De la seule productrice du coin à Saint-Laurent. Donc ça, il faut le couper en petits morceaux. En petits morceaux. Ça en petits cubes, les 500 grammes. Ouais. On va les faire de cette taille-là à peu près. Les outils, si vous avez des déchets compostables, vous pouvez descendre à côté de la voiture marquée ALE dessus. Couteau. Tiens, tu es loin, mais là, à côté de toi, là. Voilà. Moi, ça va déjà mieux.
80 km à votre avis? C'est la distance qu'on peut parcourir en une journée sans voiture, en faisant l'aller-retour. Ça, tu vois pas maintenant. Vu que c'est des écolos, j'aurais mis 120 km. Ça aurait été plus facile. En tout cas, on a pu observer qu'à partir de Lyon, ça pouvait arriver jusqu'au nord de l'Ardèche. Hein, c'est ça? De toute façon, nous produit, ça vient à 80. Pas 80. Entre 30 et 40 km. Parce qu'au-delà de 80, c'était la Suisse. Parce que ça sonne mieux. La 80, c'est une distance, qu'elle soit en centimètres, en mètres ou en kilomètres, hyper importante. En centimètres, par exemple, c'est la distance intime entre deux personnes. Deux personnes qui se parlent face à face, en dessous de 80 cm, on dit qu'elles sont intimes. Et 80 bornes précisément pour compliquer la tâche, je ne sais pas.